Hey, une game de LOL. Si vous la voyez sur YouTube, c'est que j'ai gagné. LOL, MDR. Alors, on y va. Regardez, je vais jouer top. J'étais first pick et j'ai joué top. Alors, ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, je suis arrivé. Regardez, je vous montre petite historique du lobby parce que c'était très rigolo. Préfère jungle, j'ai mis I will support. Je voulais rejouer trash parce que la game d'avant m'a un petit peu frustré. If it's ok. Oh putain, what the fuck? What the fuck, Oh, il y a du délai sur mon retour. Ah, plus maintenant. Oh, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Bref. Et il a mis I main sup, but it's ok. Donc lui, il a mis I main sup, but it's ok. Et donc j'ai mis ok. Et après, ils ont dit ouais, jungle. J'ai dit je vais jungle. Et il y a un mec qui a dit je vais jungle. J'ai dit oh merde, bon, je vais pas jungle. Alors je vais top. Et le mec a dit. Et le mec qui avait dit je main support a pris Lucian. Et je lui dis mais mec, regardez, je lui dis oh, what the fuck are you doing? Regardez, two want support, nobody support. J'ai mis Wizimos not made sup, what the fuck. Il a mis mais tu as dit support. J'ai mis ah, donc tu penses que je vais support avec Renekton. Smiley, smiley, smiley. Et il a mis oh sorry. Et l'autre a mis t'inquiète, je peux support. Oh c'est un français sans deck. Sans deck ça alors, quelle surprise. Il a mis oh Zerator, je croyais que t'allais support et tout. Oui, avec Renekton évidemment. Ah, alors Wizimos, vu que c'est assez déconcentrant de jouer en live et aussi d'être en live dans la même partie qu'un streamer, je t'invite à couper le live et à regarder la VOD. Comme ça, tu pourras jouer ton meilleur jeu et ainsi peut-être nous aider à gagner la partie. Voilà. Maintenant que je suis sûr que tu vas faire ça et que tu vas donner ton maximum, je te souhaite une bonne game et je te dis à bientôt dans la VOD. Bon, sinon, vous, ça va? Ça va, mesdames et messieurs? Le bon vieux Renekton, comme mon bon vieux temps. Ouais, 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 moi j'aime bien ce champion, j'adore Renekton. Je trouve ça trop classe. En fait, j'étais complètement absent de cette top lane dans la saison précédente, la saison donc 4, je crois, c'est ça? Ouais, 4. Et un jour, quelqu'un m'a dit, tu devrais essayer Renekton et tout. Et donc j'ai essayé Renekton. Et j'étais en mode, ah mais ça va, c'est facile, c'est tanky, c'est chouette, il y a un stun et tout, il y a un dash. Et donc voilà, je me suis mis à jouer Renekton. C'est la même Nida Zerator. Quoi? C'est la même Nida? Ah bon? Ouais. C'est la même que la game d'avant, la Nidali. Ah ouais? Sans deck. Faudrait aller voir la VOD pour vérifier. Je vérifie. Ah, silence Zerator. Alors je vérifie. Ah ouais! C'était Der! Ah, Bustin Tal! Effectivement. Donc la même chose, le même pseudo. Trop marrant! Alors la game d'avant, elle a fini en 1 milliard, 0, 1 milliard. Elle nous a complètement carré le game. Donc là, voyons voir si c'était parce qu'elle était trop forte. Et en plus, regardez, elle a une maîtrise de je sais pas quoi en mode je suis diplômé doctorat de la Nidalee des fougères du domaine de la Calzone là. Du coup, voyons voir si c'est à la vérité ou pas. Par contre, tout le monde est à 100%, personne ne charge. Là, c'est bon. Vroom, 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 vroom. Ah. Ego DSL Zerator NP. NP, je suis sûr que tu as fermé le live et que tu vas te concentrer. C'est génial. Passe une bonne game, mec. A plus. Voilà. Niveau 4, Zera. De quoi Zera, niveau 4? Hein? Pas du tout. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Dommage qu'il joue pas comme Kuro parce que Kuro est très fort avec son bard. No joke. Et voilà. Alors le mieux avec ce... En fait, voilà pourquoi je joue Renekton. En fait, c'est parce que ce skin permet de faire ça. Et en fait, du coup, ça vous permet de taunter. Donc c'est un Alistar. Hey Alistar. Tank for Nida, if you can. I was in his game, last game. C'est n'importe quoi. He carried hard as fuck. Nida, I was trash. Et je voulais rejouer trash. Ça aurait été énorme. Mais tant pis. Des sbires sont apparus. J'ai coupé ton live, sinon je lag. Ok. C'est bien. Évidemment.
Zerator, j'aimerais te demander pourquoi tu as bloqué les rediffusions des lives sur Twitch disponibles qu'aux abonnés. Je trouve que c'est un peu dégueulasse pour les non-subs. Eh bien, c'est très simple. Si tu veux avoir accès aux rediffusions, tu n'as qu'à aller sur la chaîne YouTube, car toutes les VOD sont disponibles sur YouTube, sauf les pré-lives. C'est une sorte de petite exclusivité. Tu sais, c'est difficile de trouver des manières de donner un petit peu de choses à un abonné qui, eh bien, fait une souscription pour le soutenir. Donc, j'essaie de trouver des petits avantages comme ça, même si c'est pas grand-chose, de dire, ben voilà, t'as accès à un pré-live. Au moins, c'est quelque chose. It's something, comme on dit. Et voilà. Mais si tu veux avoir accès aux rediffusions et à toutes les games, sache que tout est sur YouTube. Et donc, oh merde. Et donc tu ne rates rien en n'ayant pas accès au VOD. Oui. Salut Zera, je suis habitué sur les petites pièces. J'aimerais pas tu intégrer le chat Twitch sur les VOD comme font d'autres streamers, ce serait vachement cool. Bisous Igro. Merci à toi Igro. Je ne pense pas du tout intégrer le chat Twitch. C'est quelque chose que je ne ferai, je pense, jamais. Tout simplement car ça n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout qu'il serait trop petit. Et en plus, ça encouragerait certains à faire de la merde dessus. Et ça, je préfère l'éviter, évidemment. Non pas que je veux aller en l'air, hein, mais... Dommage que j'ai pas d'ignite, je l'aurais tué. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fait, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est malade ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce type? Le mec est en train de me traiter d'un coup. Oh, le flash! Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Bon, écoutez, moi, j'ai rien demandé. Il a un ignite, au fait? Trundle. Et non, il a pas d'ignite, et oui. Bataille de demeurer. J'ai jamais eu un ignite. Mais je joue TP parce que bon, c'est la vie, il faut jouer TP, sinon vous êtes complètement useless. Attends. Alors là j'ai un dash. Je vais tenter de le surprendre. Faut pas que je grid. Moi mon problème c'est que là je suis en mode oh, je peux le tuer, il n'a plus de flash. Ah. No flash top. Yeah, no flash top. Alors là je freeze, il va pas prendre la catapulte. Ah, il va rien prendre, ah là là. Catastrophe. On dirait moi contre Orianna. Avec Annie au mid. On dirait Orianna. Ah. Raté. Dommage. Bon, je vais monter ça. Il lui a mis la sauce. Bah ouais, je lui ai mis la sauce, je sais pas pourquoi. Je peux pas jouer. Ah. Je tremble de trop. Mais non. Concentre-toi. Fais comme si j'étais... Putain. Fais chier. Comme si c'était pas suffisant que moi je joue mal. Il va falloir que les gens soient dans mes games et qu'en plus ils jouent en mode... Oh putain, je joue trop mal parce que t'es dans ma game. Non, attends, j'ai pas de stun, c'est pas rigolo. Si, c'est rigolo. Ah. Oh damn it. Oh damn it. Si tu savais... Bon, j'ai eu le premier sang, peu t'importe. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on pourrait faire l'hydre vorace. Ça a été super. Mais je vais plutôt partir full tanky et comme un gros chien faire de l'armure avec des PV. C'est pas très sympa. Mais oh nice. Oh c'est la mort, quel dommage. En plus il doit récupérer son double buff. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut TP, lol. Trop marrant ce jeu vidéo. On y va. Et donc là Trundle, c'est moche. Déjà, il est à combien? 15 last hit, je suis à 22. MDR. Ah! Tiens! Oh, il m'a éclaté la gueule! Sans deck! Il m'a éclaté! Mais pourquoi je peux pas passer? Parce que le pilier. C'est très bizarre, hein! Le pilier de Trundle dans LoL, franchement, j'ai l'impression que c'est du hasard. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi j'ai de l'armure? Ah, mais putain! Ouais, non. Non, rien. J'allais dire de la merde. J'allais dire de la grosse merde. Tiens! Voilà, meurs! Non, mais c'est bien la top lane, nous on rigole bien. Tiens, régène des HP! Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Mais il est ouf, hein! Franchement, il est trop bizarre! Ah! Voilà ce qu'il faisait! Non! Pitié, non, je ne veux pas mourir! Shit! Oh, il m'a heal! La partie n'est peut-être pas encore terminée. Alpha Strike! C'est bon! Oh, on a les droits! Nice counter, quand j'avais rien vu! Haha! Ils vont être en mode waouh! Comment c'est fait bait! Le joueur Renekton doit vraiment être extrêmement fort! Pas du tout! Grosse merde! Oh, go! Oh, mec, go! What? Il s'est passé quoi dans ma vie? Ah! Vous avez tué un ennemi! Un.
passe bien cette game. Je me casse. Comme ça je reviens en même temps que lui, ok? Faker de la chance. Non mais là j'avoue. I'm up on night to get. En tout cas la top lane, y a beaucoup de choses à voir sur cette top lane là. Pour une fois, j'ai envie de dire. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est bien. Ouais, plein de potions. C'est insane. GG. GG bro, c'est insane. Quoi? Katana Osum. Eh, juste mourrez pas trop en bot. J'imagine que la bot lane perd, c'est ça? Ah non, pas du tout. Il n'y a que nous qui sommes morts. Trop le bordel cette top lane. Ouais, Nida est un très bon joueur, ça se voit. Ça se voit. Bon, Trundle va arriver, là il va être trop moche. Alors la bot lane, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Lucian arrive à handle tout ça? Lucian 51 creep, Vayne 50. C'est formidable, regardez-moi. Ce Lucian qui explose tout. Il explose tout, il est fou. C'est Lucian. Oh non, j'ai tout raté. Oh non, un allié a été tué. Catastrophe. Et je l'ai eu grâce à ma mini cape solaire. C'est génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors j'ai cette potion absolument incroyable. Il a des potions lui? Ah, il a pas de potion, il a rien. Il a juste un sceptre vampiroloïque. Nul. Ah! Tiens, 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 Emmer Dinger. Trop marrant. Non, parce que Emmer Dinger, ça ressemble à carotte. Le légume. Par contre, attention, faut pas trop s'approcher parce que vu que j'ai une sorte de mini cap solaire de merde, si je m'approche, eh bien il prendra des dégâts et ainsi je prendrai l'aggro de la tourelle. Je ne suis plus là. C'est fou, hein. Je ne suis plus là. Ah, il savait que j'étais là. Il est perspicace. Vous êtes très perspicace. Alors, est-ce qu'on va peut-être... Évitons de trop faire le fou. Ah, je rigolais. Tiens, allez, casse-toi, t'es mid life. Casse-toi. Tiens. Tiens. Oh non, c'est bon. Alors sachez que je crois que le stun de Renekton peut faire un reset d'auto-attaque. C'est extrêmement utile. Mais là je crois que je vais prendre l'aggro si je... Oh. Bon il régène mais c'est pas fou, vous voyez ce que je veux dire. C'était pas fou, donc on attend. Bon, il y a quelqu'un qui... Il y a des gens sur le chat très drôles, évidemment. Les gens sont extrêmement drôles, mais les gens sont drôles de base. Après, ils ont un passif qui fait qu'ils peuvent devenir plus très drôles, et on est drôle. Parce qu'un bébé c'est drôle, c'est moche, vous voyez ce que je veux dire. Et donc après... Après... Ah mais ça suffit enfin, aucun fun cette tourelle. Bon alors, il faut que j'arrive à regarder ma mini carte en farmant. Là j'ai 74 scripts, Trundle en a 46. C'est un massacre. Sans nom. Ah! Non, je rigole! MDR. Non, en fait, je rigolais pas du tout, c'est juste que je me suis complètement raté. Oh non! Oh, j'ai raté celui-là. Extrêmement déçu. Et c'est parti pour le dive! Le dive! Non, pas du tout. Et là, vous voyez, j'ai pris l'aggro alors que je ne l'ai pas attaqué. Merde! Merde! J'ai pris un milliard de coups de tour pour rien. J'ai fait n'importe quoi. Bon, j'ai fait n'importe quoi là, vraiment. Oh, il y a Maître Yi! Aïe aïe aïe! Alors là, je vais attendre qu'il me go. Hop, hop, hop. Salut, ciao. C'était très impressionnant ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je l'ai stun. Ensuite, j'ai profité de son corps pour faire un double dash. Je ne lui ai pas donné la vision afin qu'il ne me alpha strike pas. Mon maître Yi est probablement encore là. Donc je vais prendre une potion. Et j'attends qu'il me fonce dessus. Tiens. 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 Allez, casse-toi maintenant. Personne ne t'aime, Trundle. Tu sens des pieds. Tiens. Hein, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a Maître Yi, c'est ça? C'est ça? Il y a ton copain Maître Yi, c'est ça? Hein? Tu pues la merde! Tu pues la merde! Tout le monde va te tuer! Personne ne t'aime! Il n'y avait pas Maître Yi du tout. Non. Vous avez tué un ennemi. Il n'y avait pas du tout Maître Yi. Ah! Il a go alors qu'en fait personne ne voulait qu'il go. Peu importe. Je vais faire rendu, hein. Comme un gros chien. Ouais. Et si je faisais ça d'ailleurs?
Je vais faire ça. Ouais, je TP aussi, hein. C'est bon. Je veux trop être en promo Gold 1, là. Eh bien, je joue mieux. Chut. Ne faites pas de bruit. Cette chose pourrait nous entendre. J'imagine que sa zone disparaisse. Espèce de... Ah ! Tiens ! Tiens ! Allez, casse-toi ! Casse-toi, qu'est-ce que tu fais ? J'ai déjà dit que personne t'aimait. Sérieux, un bébé, c'est drôle, c'est moche, t'as pas pire. Mais quoi ? Ah, mais si. Mais avoué. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis en train de faire, n'importe quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est gros comme ça, là ? C'est l'ulti, moi je connais rien à Trundle. On va attendre qu'il rapetisse. Ah, il est plus petit, là. Ça devrait être mieux. Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il y a Nidalee qui arrive, trop marrant. Nidalee qui arrive pour Mayday. Mayday ! Et maintenant on y va ! Bah, je voulais faire genre avant, mais c'est pas la peine. Bah, il va pas le tuer. Il va pas le tuer. Mais c'est pas grave, ça lui fait baisser ses HP. Il faut que je régène. Compliqué de régène, hein, là, hein, c'est compliqué. Est-ce que Maître Yi serait dans les parages, par hasard ? Alors là, si je joue bien, je peux régène toute ma vie comme un gros. Chacun à la fois jaune. Voilà, c'est bon. Nice. Mais dis pas que Trundle la back. Oui, back. Tiens, et donc là, reset d'auto-attaque, vous voyez ? Ouais, non. C'est un peu comme Vi, j'ai l'impression. C'est un demi-reset. Hein ? NP, I heal me. C'est grave. Les gens disent vraiment n'importe quoi de nos jours. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, back, on va acheter ça. L'ultimate de Trundle, c'est qu'il mange ton armure et ta RM. Ah ouais, nice. C'est vrai. C'est vrai que c'est ça. Ah, est-ce que je ferais pas genre un split pushing de merde? C'est la mort d'Alistar, qui a fait un très mauvais flash. Oh ! Oh non, il s'est arrêté, il est mort à cause de ça, quelle merde ! Pardon, ça va ? Et là, regardez, paf, mécanique de Renekton, je vous apprendrai. Tuto sur la charnette ! Spire ! Spire ! Non ? Pas de spire. Un ennemi a été tué. Un ennemi a été tué. Salut, Trundle, ça va ? Je sais que personne ne t'aime, Trundle. Eh, je suis niveau 11, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, je suis trop fort. C'est-à-dire que je fais trop mal avec l'ultimate. Il est où Trundle? Il est là, niveau 9. Je suis niveau 11, rendez-vous compte. Niveau 9, niveau 11. Bon là, ils font le Drake. J'ai pas d'ulti, hein. J'ai pas de TP. Ouais, j'ai pas de TP. Ouais, c'est de la merde, je sais. Je sens des pieds. Ça va, je l'ai eu. Bon, je me casse. Donso. Nope. Ouais, ils l'ont toujours pas fait. Ils l'ont toujours pas fait, ils l'ont toujours pas fait, ils l'ont toujours pas fait. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui sous-estiment l'emplacement des wards dans les bushs et qui les posent au hasard. Là, je l'ai mis un peu sur le côté, comme ça, elle voit un peu plus là. Et elle voit à 180 degrés. Alors que si je l'avais placé ici, elle ne verrait pas ça. Et là, je n'aurais pas vu Maître Yi, par exemple. Ça peut tout changer. Une ward, ça change tout. Là, il devrait faire le drag, je pense. Les mecs. Je pense que Maître Yi va arriver en me voyant ici, à mon avis. Ce que je ferai à sa place. Je vais me casser. Hein ? Pas du tout. Un ennemi a été tué. Allez, go là. Moi, j'ai mon TP. Faut qu'ils aillent au Drake. Je sais pas s'ils vont avoir besoin de moi. Du coup, je vais pas me TP s'ils ont pas besoin de moi. Comme ça, ça me permet de faire chier. J'ai TP. Ils ont eu le Drake, fais chier. Ah, c'est la merde. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y, viens me test. Oh, salut Rumble, ça va? Tu te rappelles, on était au top tous les deux. Tu te rappelles, t'as perdu parce que t'étais moche. Je t'en rappelle pas, non, ça, bien sûr. Ça,
ça bien sûr. Oh! Tiens! Raté! Carnage! Tiens! Je meurs! Tiens! 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 Et voilà! Trop marrant! C'est Trundle par Rumble. Ah ouais! Je dis Rumble! Alors je me trompe, désolé, hein, parce que je connais pas très bien le jeu. Mais parce que ça finit pareil, Trumble, Rundle, Rumble. C'est bien! J'ai mon rendu 1! Je suis content. Après on va faire un visage spirituel. Comme ça, même les mecs qui font des dégâts AP nous défonceront la gueule. Je leur défoncerai la gueule. Oui! Métatank. Métatank, c'est trop bien! Voilà. Moi je suis à 6-1. Mais c'est nul en fait. C'est la méta tanky, c'est nul. Vous faites des tanks, vous faites des items tanky. Et ensuite c'est trop bien. Et du coup il y a 12-10. Alors qu'en fait tout le monde perd sa lane. Non mais genre Alistar, regardez Alistar. 0-3-1, Lucian 1-1-1. Je suis à 135 creep top farm et tout. Mec, t'as le niveau diamant. Grave! J'ai grave le niveau diamant. Pas besoin de me. Hein? Pas besoin de faire de flatterie pour. Pour que je TP au bot, hein, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il fait ce viewer? Il dit n'importe quoi. Merci de me carry. Ça arrive, mec. Et parfois, les autres carry. Mais je suis Renekton, c'est-à-dire que la capacité de carry du Renekton est plus faible que les autres. Où est Trundle? Parce que là, il y a le jungler en bas, il y a le midliner en bas. Non! Oh mon dieu, j'ai raté. J'ai raté. You have not enough minerals. Salut à toi, Léonidi, et bienvenue sur la Zerator Télévision. Bienvenue à toi. On espère que tu vas passer une bonne journée. Votre tourelle et que tu vas bien t'amuser. Black Cleaver en second item, il aurait pété un plomb. Non. J'aurais pu faire l'Hydre Vorace ou Black Cleaver, vous avez raison. Mais je préfère être un gros bâtard et faire que des items tanky. Regardez ça, ça marche aussi. C'est formidable, regardez, que peut-il faire? Qui peut à présent me stopper? Bon, en même temps, je suis à 6-1, c'est logique que personne puisse me stopper. Puisque lui, il est à 1, il est à 0-20-0, c'est ça? Non, 0-3-0. Et oui, le pauvre, il est qu'à 0-3-0. Bon, j'aurais pu foncer sur lui, mais je joue safe comme un gros débile de top laner. Voilà. C'est normal. Ah oui, je sais, faudrait peut-être que je back. C'est bon, don't worry. Et là, je me casse. Pas du tout, ils sont tous en bas, regarde, il y a le mid laner en bas. Sans deck. Il y a tout le monde en bas, le mid laner, le top laner. Non, il n'y a pas le jungler. En fait, je sais pas où il est. Peut-être qu'ils vont venir me chercher. Et voilà. Vous avez vu, on a une ward avec Renekton. Une ward posée avec Renekton, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire? Eh vas-y, tu me souffres. Moi aussi, hein. Je suis Nila Saran. Ouais, c'est bon, je suis mort, hein, ça arrive. Hein. Ah. Mais c'est pas grave. J'ai un peu trop, je me suis un petit peu trop senti pousser des ailes avec l'overextending. Peu importe. Allons-y. You have no damage, you can't 1v1. I know. Je n'ai pas de dégâts, je ne peux pas 1v1, c'est ce qu'il vient de dire. Il a raison. Je peux rester sur une lane en 1v1 face à un corps à corps et le poker avec mes items, mes trucs et tout. Mais tu vas mettre la VOD? Non. Je suis devil. Là par contre, t'as volé ta vie. Non, mais c'est normal. Normal d'avoir perdu. D'accord. Exactement. Tu vas mettre la VOD? Non, il a mis OK. La déception du mec. Tu vas mettre la VOD? Non. Là j'écris Claire Trundle. Parce qu'en fait mes mates arrivent. Donc je fais genre pour qu'ils back. Ça n'a pas marché. Donc j'écris joke. Attends-moi! S'il te plaît! Ouais, stunlock! C'est pas la vraie! C'est pas vrai! C'est pas parce qu'elle a flash que c'est la vraie, hein, c'est n'importe quoi! Alors moi j'ai pas de dégâts, hein, comme vous le savez! meurs! Oh dommage! J'avais double dash pile à ce moment-là! Ça c'est quand même con! Ça va, je te paye ici! The Miss Luck. Ah mais le blanc est morte? Ah non, pas du tout. Non, c'est la botlane qui est morte. Vous en faites pas.
Alors c'est pas mon genre de rager contre les mecs qui ratent les games. Parce que moi je rate souvent des games, j'ai un niveau assez irrégulier sur League of Legends. C'est très dur d'avoir un niveau régulier dans les jeux vidéo. Et voilà. C'est pour ça que les joueurs réguliers par exemple en LCS sont très demandés, très plébiscités, très rares. Mais c'est très dur d'avoir un niveau régulier dans les jeux vidéo. Parce que trop de paramètres. Et en plus, il suffit de peu de choses pour rater une game League of Legends. Donc voilà. Quand je parle de LOL, mais c'est aussi vrai. Alors c'est peut-être moins vrai dans les FPS. Dans les FPS, un mec qui sait viser, il saura viser quoi qu'il arrive. Hein. C'est pas parce que ses mates, eux, savent pas viser qu'il perdra les games, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. C'est pour faire une petite comparaison, mais c'est pas vraiment comparable. C'est vrai que dans les MOBA, c'est dur de montrer un niveau de jeu régulier. Alors, go! Go, les gars! Faudrait qu'on ait un Drake, parce que la dernière fois, on s'est fait voler, c'était relou, rappelez-vous et tout. Trundle a un TP en tout cas. Parce que moi, j'ai le mien. Et qu'on a TP en même temps au Drake. Du coup, il est certain que Trundle a sa téléportation. Weekend. Oh, bim! Pas du tout. Kervayne. J'aimerais tellement la go. En fait, j'aimerais flash stun. C'est très compliqué. Y'a pas le blanc. En fait, y'a Trundle qui couche, ça m'énerve. Mais le poke est pas mal. Ah! Ah oui! Très bon! Et elle va se taper quelque part. Ah! J'ai flash pour rien, je suis un gros newbie. Je suis un peu déçu d'être un newbie comme ça. Alors, j'ai tanké pas mal, mais pas suffisamment, hélas. Pas hélas. Fait. Grosse merde. Hein? Non, je plaisante, c'était le viewer. Mais fallait pas tenter Nida comme ça. Hein. C'était pas une très bonne idée, tu vois. C'est ce que je voulais dire. Non, mais j'ai dit grosse merde. J'avais dit je flame quand même, hein. Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'ils expectent en fait? Qu'est-ce qu'ils expectent? Parce que là, 3 pour 1, c'était pas fou, hein, comme trade. On est d'accord, hein. Don't ban Kata, it's just fail. Oh mec, c'est... Soupler, hein. Ah, ils vont annuler mon TP. C'est terrible. J'avais oublié qu'on pouvait annuler les TP. Enfin, qu'on pouvait annuler les TP comme ça. GG le TP. GG le 1v1 contre Kata. GG la bot lane. GG Taras. GG la game. Le mec pète un câble totalement. Bref. Non, mais juste on fait tous des erreurs. Et c'est formidable. Et voilà. C'est tout. Tu devrais faire Thornmail. Oh oui, alors bon. Moi, je voulais finir mon village spirituel avant. Mais oui, Thornmail est une bonne idée. Vous avez raison. Quand on est un sac à PV, si en plus on peut renvoyer des dégâts, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ah! Non. Il me manque combien? Il me manque 700. C'est pas grand-chose. Mais là, je tanque plus assez. Je tanque plus assez. Oh, Kong! Wukong! Attendez. Wukong 5v5. Ouais, c'est vrai. Oh! Là, il me défonce. Hein. Ah ouais. L'early, c'est fini. Ah! Je suis mort. 200%. Donc, farmons les creeps. J'ai pris ce que je pouvais. J'étais mort. C'était inutile d'ultimate. C'était inutile d'essayer de dash. Dans l'autre sens, mettre y aller de toute façon me rattraper. Donc autant essayer de prendre des creeps quand on meurt. Voilà. Alors, deux top 3000. Oui. C'est la vérité. Moi c'est dommage, j'avais dit prenez du contrôle pour Katarina. Eh ! Ils n'ont pas pris de contrôle. Ils ont pris Lucia, Nidali et Leblanc, bon qui n'a évidemment pas le temps de contrôler Katarina. C'est l'instant. On a une très mauvaise combo contre Katarina. Moi j'ai un stun. J'étais le first pick. Bon, j'ai pas ban Katarina, mais bon, frère. Peut pas tout bannir. Alors là, j'ai fait n'importe quoi parce qu'en gros, j'ai perdu du temps pour acheter le home guard, pour pouvoir aller contrer la tourelle et finalement j'ai perdu du temps. Je suis extrêmement énervé par ce qui vient de se passer. Votre tourelle a été détruite. En gros, j'étais en mode c'est bon, j'économise pour mon visage spirituel. Et après, je me suis dit non, en fait.
Et après j'étais en mode non, en fait vaut mieux que j'aille contrer la tourelle avec les home guards. Mais ça je l'ai pensé une fois que j'étais vivant. Du coup quand je l'ai fait, j'avais plus assez de trucs. Et du coup j'ai quand même perdu l'argent pour mon visage spirituel. C'était un gros fail. Et moi c'est ça qui me fait rager dans les jeux vidéo, vous voyez. C'est pas de me faire tuer pour je sais pas quel héros, ça n'a aucun sens. Ce qui me fait rager, c'est d'être nul. Et donc voilà. Et là les gens pas drôles diront ah de me rager souvent alors ah. Mais en fait non. Juste voilà. Quand vous faites une erreur de jugement, une erreur que vous ne devriez pas faire et vous êtes conscient que c'est une erreur, etc. C'est ça qui énerve dans les jeux. C'est ça qui est énervant. C'est quand vous ratez et que vous êtes en mode putain, ça je le savais, pourquoi j'ai fait ça et tout. Ça c'est ce qu'il y a de plus énervant, évidemment. Dans un jeu vidéo, quand vous ratez, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ça. Alors non, évidemment, on va pas se rendre. Même si c'est vrai que le late game est pourri chez nous, quelle heure est-il? En plus, il est 42. Pas question de se rendre. En moins, il me faut 700 gold pour évidemment. Parce que chaque fois que je fais ça, le truc de oh, il doit aller souvent. Alors t'as quand même des mecs qui l'écrivent dans le chat en mode attends, je vais l'écrire, ça va le faire rire. T'as toujours un mec, tu sais. Tu dis eh, et là, les gens pas drôles feront cette blague. Et t'as des mecs qui l'écrivent, tu sais. Ah, donc j'écris cette blague. Je comprends pas. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. La stupidité. Non, pas du tout. Alors, j'ai mon visage spirituel, c'est bon. Très content. Ça m'a coûté 2 inhibs, mais complètement worth. Maintenant, je tanque des dégâts magiques. MDR. Très bon cancel de back, comme ça ils reviennent, ils nous re-ace et ils finissent la game. C'est une bonne idée, je pense. Non, mais c'est. Voilà, on va tout focus sur lui. Les autres vont se dire tiens, si on revenait. Très bon pilier, il m'a empêché de venir. Pourtant, j'ai essayé de pas me faire fucked up par le pathfinding. Ah, il va prendre la lanterne. Très chiant, très chiant. Deux ans que je me masturbe sur ta gueule, je dois bien quelques boules. Quel est ton synthé, ta pédale loop? Alors le synthé n'a aucune importance puisqu'il est branché sur une table de mixage, il ne se branche pas directement sur mon PC. Et ma pédale loop là que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est une Boss RC300 Loop Station. Souvent les gens me demandent la marque de mon synthé ou quoi pour savoir comment je fais pour le brancher sur mon PC. Mais en fait non, c'est juste que le retour jack est branché sur une table de mixage branchée à mon PC, c'est tout. Du coup ça n'a aucune importance. Les gens sont en mode ah oh, moi aussi j'aimerais brancher mon synthé sur mon PC et tout. Mais c'est juste parce qu'il y a une table de mixage entre les deux en fait, c'est tout. Voilà, c'est tout. Tim Tim, tenez. Salut Lexou. Je vous souhaite la bienvenue. Et vous êtes 5000 viewers pour voir des games de niveau challenger. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes au bon endroit si vous voulez voir du niveau de jeu, comme écrit dans le titre, sur Twitch. Hop. Merde. Non, c'est parce qu'il est bientôt 20h. Les gens commencent à arriver chez eux. Et en plus, on va arriver sur la suite de l'histoire de GTA. Peut-être se rapprocher de la fin. C'est extrêmement intéressant. Ce film interactif qu'on vit ensemble. Comme si on regardait un film en fait avec les viewers. Non mais vas-y, j'aimerais juste prendre ces deux clips. Oh, t'as aucun fun dans ta vie. Maintenant, nous allons faire une thumbnail, aussi appelée côte épineuse en français dans le jeu. Donc il faut juste aller dans la boutique, taper EPI, E-P-I, et ensuite, tu as quand même pas Pilar là. Tu vois quand même. Eh, j'ai besoin d'aide ici. Il y a un gros truc, un gros troll, car Thumbnail est un troll, je crois, qui me défonce. C'est que t'as failli survivre. Franchement, moi j'y ai cru. Hop, j'ultimate, comme ça il arrête de me trade. Supportable, supportable ce type. Et il me défonce quand même, hein. Non mais j'avoue, my bad. Oh, il était pas mort. Je croyais qu'il était mort. J'avoue, my bad, si j'avais pas feed cette top lane, peut-être que j'aurais pu mieux handle tous ces dégâts. Please surrender. Mais non, pas maintenant. Midali, c'est dommage. Donc le mid et le bot auront perdu leur lane. Ils auront perdu la game en partie à cause de ça. Mais c'est pas très grave, car ça arrive. Shit happens. On a fait une défaite, une victoire, une défaite. On est pile à 50% dans le matchmaking. Je veux dire, on est dans l'ordre, on est à une chance sur deux. Et machin. Par contre, si on avait commencé par une victoire, on aurait fait deux victoires avec les règles du matchmaking. Ça aurait été mieux. On a 3 inhibs down. C'est quasiment sûr qu'on a perdu à 300%. Mais hop là, je dash à travers mon propre mur. Alors je peux pas me condamner, c'est pas un mur. Non, j'attends un peu pour. Nice! What the fuck? J'ai jamais vu un truc aussi mauvais dans un jeu vidéo! Attendez, on se rend pas, c'est pas l'heure. C'est bon, on a bientôt perdu, de toute façon. Whatever. Attends, j'arrive. Oh putain, je. Pas facile à rattraper, quoi. Dommage. Bah écoutez, c'est dommage, la game d'avance c'était presque, n'empêche. Il a presque survécu.
La guerre d'avant s'était très bien passée. Et celle-là, c'est un peu moins bien passé. Alors c'est marrant parce que c'était pas du tout un stomp, c'était assez même serré. Jusqu'à un certain moment, il y a eu 10-12 à un moment, je crois, pour nous, je sais pas quoi. Mais en fait, on a vécu ce qu'on appelle une autre game top. Oh, le contrôle! Ouah, la rotation de Sissi! Elle ne va pas mourir. Où est-ce qu'elle pourrait aller? Ça va? Ça va? Da! Saloperie, tu vas mourir! Die! Hein? Man. Attendez, j'ai bientôt la côte épineuse. C'est la victoire qui nous attend. Salut. Me bats au milieu des creeps. Ah mon dieu. Ah, God save the creep. T'es mort. Allez, je te fais bloc creep, t'es une merde. Oh. Salut Léonidi. Merci à toi. J'espère que ça te fera encore rire longtemps. Moi je me fais rire beaucoup aussi. GG, close. Bah dommage. Dommage. On a fait une petite game au top. Bon, ça s'est bien passé. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que ça s'est bien passé comme game? Pour moi. La game de mon côté s'est bien passé. Regardez, j'ai plus de gold que tout le monde, sauf Maître Yi et Katarina. Mais sinon, plus de gold que tout le monde. Franchement, ça s'est très bien passé, cette game. Bon, j'ai perdu 21, 9-4-4. Bon. J'étais top damage de ma team en tant que Renekton top lane full tanky, Sims Legi. Voilà. Dégâts subis à 1 milliard. Bon. That was fun. Dommage. C'est quasiment sûr qu'on aura perdu à 300%. Oui, oui, bien sûr, j'ai dit ça, oui. Évidemment. Bon, bah, c'était bien. C'était une bonne game, je suis assez satisfait de ma game, c'était une game plutôt réussie, d'ailleurs à plus, avec une défaite aussi cuisante en 32 minutes, c'était plutôt intéressant. Bon bah écoutez, on va la mettre sur YouTube celle-là, hein. Ouais, parce que j'ai fait une bonne game. Du coup, quand je fais une bonne game, je la mets sur YouTube, normal, logique. Bon, mesdames et messieurs, je crois pas t'avoir déjà vu te faire défoncer avec ton fameux Renekton. Ouais, non, à mon niveau, c'est rare. Après, c'est un champion assez safe, hein. C'est très rare de feed comme un porc avec Renekton, tu vois. Genre, si tu joues très safe, t'as deux dash, t'as un ulti qui te permet de survivre, t'as un stun. Genre, tu stun, double dash, ulti, t'es quasiment sûr de survivre. Ah, non, quasiment n'importe quelle situation de 1v1 ou 2v1. Donc, plus ton flash, faut se trouver. C'est assez dur de feed à mort avec Renekton. Et là, t'as des mecs. Ah non, moi avec Renekton, 0-26-0 là, non. Bon, bah écoutez, GG à Lucian, même si on a perdu aussi. On va se retrouver dans 5 minutes pour faire du GTA et arriver sur la suite de cette histoire. Ne bougez pas, on revient dans 5 minutes. A tout de suite. Ha ha!